18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Il ouvre droit. D'ici deux ans, dès qu'on sera membre à part entière de World Rugby, aussi nous sommes qu'un état membre associé, on aura des subventions en livres sterling, et là on aura le droit à un compte en devise, avec des subventions de la Fédération Internationale. Le football, on ne peut pas comparer, parce qu'il y en a là-bas avec des millions d'euros dans un compte en euros. Avec... Justement, 4-0, la Céleste tombe sur la tête de l'Équateur. Enfin, c'est le vainqueur de l'Équateur, justement, réduit à 10-20 minutes. L'Uruguay a parfaitement lancé sa Copa, elle, comparée à la Biceleste argentine, menée par un trio offensif, Lodero, Cavani, Suarez, en pleine bourre, le tout devant un stade complètement vide. Là, il faudra en parler aussi de cela. Preuve à raison que la Céleste fait peur, mais on ne sait pas. La Céleste n'est-elle pas le véritable outsider, comme on avait dit avec Omar Da Fonseca, à qui nous passons le bonsoir. Il est pas un grand stade, 200 000 spectateurs, il est partout. Luis Suarez revenu de l'hôpital il y a quelques semaines encore, il se faisait opérer du ménisque. On ne pensait pas qu'il allait être aussi fringant. Il a été très bon hier, on l'a vu courir, on l'a vu faire une passe décisive, marquer un but. Il n'est pas à 100%. Il y a la Colombie face à l'Argentine qu'on a vu l'autre jour dans un match un peu particulier. On a vu très fringant aussi la Colombie, avec des atouts offensifs et défensifs. Ça va être une belle Copa América. On attend le Chili aussi. Oui, on attend le Chili, on va voir le Chili aussi. Ouais, mais si c'était un petit bout de gras, tu ne nous rajeunis pas là, cher ami. 98. Avec l'Inter. Non, évidemment, on l'a bien compris. Très bonne sélection. Il va falloir confirmer aussi. Je pense qu'il faut les mettre des 4-0. Oui, 4-0. On peut, dans des compétitions comme ça, au premier tour, c'est les résultats. Ça peut basculer d'un moment à l'autre, mais le football, c'est pas ça. Mais l'Uruguay, j'attends de l'avoir devant une grande nation. Et pour le match de boule, pas à guichet fermé, mais à l'inverse, ça c'est les Brésiliens. Là, ils sortent une saison plus que contrastée avec Chelsea. Son départ était inévitable. C'était le troisième. On qualifie en Ligue des Champions. Tu gagnes l'Europa League. Oui, mais c'est contrasté dans le sens où, au niveau du point de vue de l'entraîneur, de la gestion, on parle là quand même, c'est la mission principale d'un coach. Il y a eu quand même beaucoup de lacunes. Je parle notamment du cas Kepa, qui a laissé beaucoup de traces. Et c'est justement la raison pour laquelle je pense qu'il quitte les Blues. Sur le plan des résultats, il les a montrés. Il a été présent. Mais sur le plan de l'entraîneur, il ressort quand même fragilisé de cette expérience à Chelsea, et j'espère que la Juventus saura lui donner une autre vision et sera peut-être capable. Je pense que maintenant les entraîneurs aujourd'hui, ils ont des grands joueurs, et je pense qu'il faut que ce soit plus des managers. Soit plus des managers un peu à la Claude Onesta au handball. Ouais. Ça joue un site à suivre, un site internet. La Fédération algérienne de rugby, Facebook. Eh ben voilà, ça sera la fin, le mot de la fin. On se donne rendez-vous demain à partir de 18h. Bye bye. 18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.